De bedoeling is om de vakantiehangers hier in de pannen te sensibiliseren rond spoorveiligheid. We hebben enerzijds onze film van de crashtest mee en de floor, om eigenlijk ook de mensen te sensibiliseren rond spoorlopen. Je suis journaliste français, voilà, sur des sujets de société. Je fais un reportage sur les passages à niveau. Et vu que Infrabel faisait beaucoup d'opérations de sensibilisation auprès du grand public, c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux informer ces gens-là? Mais je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas mettre de côté, qu'il faut vraiment continuer à expliquer aux gens les dangers de certaines attitudes. Et on se dit que on rencontre d'autres personnes ici, on va à l'avant d'autres profils et on sensibilise d'autres personnes. C'est pas mal fait et je pense que se combiner, cette addition d'expérience qui fait que le public peut être touché et qui la prochaine fois qu'il va traverser un passage à niveau, à faire attention, je ne vais pas me retrouver comme la personne dans le film, j'ai pas envie que ma voiture se retrouve comme la carcasse que j'ai vue le dernier jour. On profite de cette occasion-là pour sensibiliser les jeunes, les moins jeunes au risque et on espère évidemment que ça portera ses fruits sur le terrain en réduisant le nombre d'accidents et de décès par an sur le rail. Quoi. Parce que les gens, là, ils ont envie de faire la fête, ils ont envie de fêter le mondial, ils ont envie de se baigner. Mais il faut aussi leur apprendre qu'il peut y avoir la mort au tournant. Donc c'est grave, mais ça peut peut-être sauver leur vie.